Hamelin qui récupère. Hamelin, belle fin là-dessus. Hamelin le tire et contre. Oh, quel but! Oh, quelle mise en échec! Un échappé, Carpentier. Vous l'avez belle fin, attention! Un bon arrêt, lance! Et goal! Carpentier avec le 10, contre de l'autre côté, le but! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la source LNEH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine. Aujourd'hui, épisode 5, vous avez peut-être vu, là, le TIF n'est pas avec nous ce soir, donc avait des obligations, ne sera pas là malheureusement. Mais on a une surprise pour vous, on a un gros show là, en perspective, là, vous le savez, là, il y a la grosse vague là, de signatures qu'il y a eu là, au courant de la semaine. On va en parler en début de reportage même, là, parce que je pense que les gens ont hâte là, qu'on parle de ça. Mais on a une surprise pour vous. Là. Ça va être vers 20h50 là, après le vidéo de top 5. Quand on va parler là, des matchs du dernier week-end, on a une surprise pour vous. Donc, on n'en dit pas plus. Restez avec nous. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. Grosse semaine là, dans la LNEH. Grosse vague de signatures. Puis il y a des gros matchs aussi ce week-end là, entre les équipes. Là. Et on va avoir aussi Max Villemer là, qui va être avec nous pour nous parler peut-être de sa carrière, là, un peu de lui, mais aussi des matchs du week-end. Mais d'abord, là, grosse vague de signatures là, dans la Ligue nord-américaine. Oui, donc, dans le fond... Je vais partager un petit peu là, sur les groupes pendant que tu en parles un peu. Donc, OK, c'est bon. Ouais. Occupe-toi de ça. Mais oui, c'est ça. Donc, le week-end... Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que hier c'était la date limite pour la signature des joueurs autonomes. Donc, dans le fond, pour faire un petit peu un résumé... toutes les équipes ont une liste avec des joueurs. Puis si les joueurs sont pas dans cette liste-là, puis on les signe, c'est des joueurs autonomes. Donc, tous les joueurs, là, dans le fond, qui ont été signés, c'était tous des joueurs qui n'appartenaient pas à aucune des équipes présentement. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis, à partir de maintenant, ben, s'il y a des nouvelles signatures qui se rajoutent sur les alignements des équipes, ben, ça va être parce qu'ils étaient déjà sur cette liste. Donc, c'est pour ça que, sous le temps, à ce temps-ci de l'année, il y a plus de signatures. Si on regarde qu'est-ce qui a été signé, ben, je pense qu'on a remarqué une certaine tendance dans le type de signature qu'il y a eu. Là. Je pense que ça a commencé un peu... parce que, tu sais, au début de l'année, il y a eu quelques clubs qui s'étaient fait brasser. Il y a plusieurs comme entraîneurs DG qui ont dit que, tu sais, qu'ils voulaient pas se faire brasser. Fait que, alors, on a vu au début de l'année Poulin qui est allé à Rivière-du-Loup, Gabi Rock qui a signé à Sorel-Tracy, certains petits échanges qu'il y a eu. Donc, notamment, ben, on n'en a même pas le temps de parler parce que ça a eu lieu mercredi passé, mais le gros échange qu'il y a eu qui a amené Chris Cloutier et Olivier Dallaire à Jonquière et qui a amené. Quand même un très gros retour à Laval, là. David Bastien, Cédric Labelle, puis Yann Sauvé, là, l'ancien des Canucks de Vancouver. Fait que c'est ça. Mm-hmm. Puis sinon, quand on regarde les signatures qu'il y a eu, on peut faire la liste, là, mais c'est dans le fond, je pense que toutes les équipes ont voulu renforcer la position d'homme fort pour être sûr justement de ne pas se faire brasser tout au long de l'année. Là. Rapidement à Laval, ben, ils ont déjà joué, là, mais il y a eu la signature de Derek Parker, Luc Leclerc, John Mirasty aussi qui a été annoncé pendant, ça aussi ça a fait beaucoup parler, là, qui a été annoncé pendant la fin de semaine, mais qui devrait, selon l'article, là, il devrait être présent vers la fin du mois de décembre, début du mois de janvier. Ensuite de ça, si on fait le tour des autres équipes, Jonquière, ils ont rajouté aussi Michael Zolo. Qui avait déjà fait un peu ça dans la Ligue Senior 3A. Puis Ryan Jabinski, qui était un ancien coéquipier de Gabriel Verpast dans la Ligue East Coast, là, qui est un ancien Marines dans l'armée américaine. Donc, c'est un Américain. C'est rare qu'on ait des Américains qui viennent jouer dans notre Ligue, mais il a déjà joué une saison dans la Ligue Junior Majeure du Québec. Donc, heureusement pour les Marquis, il était éligible.
Donc, ça fait le tour du marquis. Puis là, pour rajouter à tout ça, aujourd'hui, ben, il y a Thetford Mines qui sont allés avec leurs annonces, eux autres ici. Donc, Ryan Murphy qui s'en vient là-bas. Ça va faire bizarre d'avoir Ryan Murphy dans un autre uniforme que celui de Rivière-du-Loup. Puis Simon Desormeaux aussi, un autre vétéran là, que ça fait longtemps qu'il connaît le tabac, là, qui a fait ça. Donc, puis il y a aussi Danick Calgaro aussi qui a signé à Rivière-du-Loup, mais qui, selon ce que je vois, son profil, il peut faire ça, mais c'est peut-être plus comme un attaquant, comme un grinder, comme on dit. Oui, exact. Fait que, en tout cas, ça fait beaucoup de choses qui se passent, de nouvelles, puis de tout ça. Fait que ça s'annonce bien pour le restant de l'année. Là, je pense que c'est sûr qu'on ne veut pas mettre trop l'attention là-dessus, là, parce que justement, là, on veut pas non plus revenir à ce que c'était il y a 15 ans, mais en même temps, c'est le fun pour ceux qui sont friands de ce type de jeu-là, là, parce que ça, chaque équipe risque de pouvoir tenir son bout jusqu'à la fin de l'année là, à ce niveau-là, là, avec tout ce qui a été annoncé. J'aimerais ça prendre peut-être des commentaires là, des gens qui sont dans le chat et en même temps saluer là, les gens qui nous écoutent. Richard Pajot qui dit « Bonne émission », William Ouellet, yo les gars, Sébastien Wolfe Tremblay qui dit « Let's go », qui est du groupe là, 100% Marquis. Daniel Paradis, présentez-vous les gars. Donc, je pense que Daniel est un nouveau, de cette semaine, là, mais David travaille là, au COM là, pour les éperviers de Sorel. Moi, je suis du podcast La Sauce du Hockey avec Yannick Tiffu là, qui est malheureusement pas là ce soir. Donald Tremblay qui dit « Allô, présent ». Si vous avez peut-être là, votre petite idée sur qu'est-ce qui s'est passé, puis on a une grosse émission pour vrai, puis c'est sûr que on veut pas s'attarder trop sur juste un sujet là, mais tu sais, le fait que Chris Cloutier là ait été changé, je pense que, est-ce que tu penses que David ou les gens là, qui nous écoutaient, ça a été aussi la vague de signatures, ça a peut-être parti de là, du fait qu'après ça, du côté de Laval, là, on se retrouvait là, plus de Chris Cloutier, en réponse aussi aux partisans, peut-être un certain mécontentement. Il y a eu une vague de signatures, puis à cause de ça, on dirait que le monde a embarqué là, par la suite. Ouais. Tu sais, il y a des gars de Senior 3A quand même. Là, on pourrait partir un débat là-dessus, quand même aller chercher des. Est-ce qu'on va vider l'autre ligue ou on peut se demander ça aussi? Ouais, Sylvain Thibault qui dit Derek Lydon, c'est vrai, je n'avais pas nommé là, à Saint-Georges. Donc Saint-Georges aussi, on sait Saint-Georges, ils ont Dave Amen, mais justement, je pense que Saint-Georges, je pensais pas qu'il y avait besoin d'en avoir. Je pensais probablement pas qu'il en avait besoin d'en avoir un autre, mais là, avec tout ça, ils se sont dit on va quand même en signer un juste au cas où, là, parce que tout d'un coup, qu'il se passe de quoi? Là. Mm-hmm. Donc, ramener aussi des anciens, là, on peut dire, de Rick Parker, il y a un ancien là, quand même qui a du millage, on l'a vu se battre là, le dernier week-end, il a quand même bien paru, là, je veux dire, c'est une bagarre. John Mirasty là, qui devrait faire son entrée peut-être au fin décembre, début janvier, je pense qu'il y a un tournage là, dans son coin Saskatchewan pour une série télé. Je pense que c'est un peu sur les Amérindiens, là, je ne veux pas t'oublier. Mais on va voir là, du monde qui dise le Sheriff McMorrow est sur la liste. Je pense que oui, mais on n'a pas de plus de nouvelles encore. Je pense qu'on nous le demande à chaque semaine. Ouais. Mais tu sais, ma question avec tout ça, là, avec un absence là, de un an et des séries éliminatoires, est-ce que tu penses que c'est un vouloir aussi de la Ligue de vouloir, puis des équipes, là, de vouloir combler les partisans en certaines mesures? Est-ce que c'est pour se réconcilier peut-être avec eux ou moi je pense pas. C'est vraiment pour protéger les joueurs parce que le style de jeu.
la Ligue, il n'y a personne dans la Ligue ou comme dans la direction de la Ligue qui va dire aux équipes on veut que ça joue plus rough. Je pense que c'est juste les équipes. Dans le fond, on se le cachera pas que je pense que il y a une équipe dans la Ligue, puis je pense que tout le monde le sait. Là, genre Laval, la direction avait déjà fait des sorties dans le passé. Tout ça, Laval veulent avoir un club tough, ils s'en cachent pas. Puis là, ben le fait que Laval a un club tough, que tu sais, des équipes comme les Éperviers sont rendus avec la Croix-Gabira, tout ça, je pense que c'est juste comme c'est un peu un effet boule de neige, si on veut, là, dans le sens que tu sais, les équipes regardent ça et sont comme on n'a pas envie de. Tu sais, je prends Jonquière, mettons, tu sais, si Danick Malouin veut faire le style de jeu, ou tu sais, Jérémy aussi, tu sais, ils veulent faire le style de jeu qui les rende le meilleur joueur possible. Même chose à Rivière-du-Loup, mettons, pour Maxime Villemaire qu'on va avoir. Jean-Philippe Chabot, ben ça prend quand même du monde pour les protéger, parce que là, si toutes les équipes se ramassent avec des toughs, puis ces joueurs-là, dans le fond, qui sont des joueurs qui n'ont pas d'affaires à se pogner, comme les Dave Hamel de ce monde, ces choses-là, ben que là, sont pas protégés, puis c'est rendu que toutes les équipes y en ont, ben là, c'est là que ça vient comme un besoin que tu as besoin de combler, parce que tu veux pas te ramasser tout nu, puis de faire que ces joueurs-là ben doivent faire un job qu'ils n'ont pas à faire, puis ça va les empêcher d'être aussi, si on veut, agaçants puis fatigants pour les autres équipes. Ben, je pense que c'est un peu ça qui a comme un peu entraîné cette avalanche-là de signatures cette semaine. Il y a un commentaire là, du cousin Mathieu Ricard qui dit « Il n'y aura pas plus par match, plus des polices d'assurance pour si jamais les toughs sont blessés ou indisponibles. » Ouais. Peut-être, là, parce qu'on a vu dans certains matchs, là, on peut dire que je pense que il y avait eu des suspensions, je pense, il y a deux semaines. Il y avait aussi des équipes qui n'avaient pas de tough, puis on a voulu justement des gars qui voulaient peut-être avoir un petit break, là, puis trouver d'autres clients justement là, les toughs se présentent, sauf qu'ils n'ont personne pour avec qui danser. Là, donc, puis c'est ça aussi, là, avec les suspensions, tout ça, il a fallu que des équipes se revirent de bord. Puis je pense que Mathieu Landry, c'est vrai qu'il a raison, parce que il n'y a pas une équipe qui va décider d'habiller trois toughs puis d'avoir comme une troisième ligne avec juste deux gars. Puis de prendre le risque de perdre la game, parce que les points sont tellement importants. On le sait, là, la sixième équipe n'aura pas de deuxième chance en play-off. Fait que oui, toutes les équipes font un play-off, mais il ne faut pas que tu finisses sixième, là, ça c'est sûr certain. Puis l'avantage de la glace, dans une ligue comme la Ligue nord-américaine, pour les propriétaires, de jouer une game de plus à maison pendant les play-offs, ça représente aussi des grosses sommes d'argent. Fait que ça aussi, là, c'est important là, pour les propriétaires là, de ne pas finir le bottom three du classement pour justement avoir plus de. Fait que je pense pas que les équipes vont aller chercher des victoires au détriment de faire un show, comme on dit. Là. Fait que, Donald Tremblay qui dit qu'il va y avoir plus de monde dans les arénas. Peut-être c'est à voir. Moi, j'ai fait un petit sondage là, sur la source du hockey en story Facebook et Instagram. Puis je dirais que c'était pas mal partagé. Les avis étaient partagés, là, 50-50, s'ils étaient contents ou non là, de l'ajout de bagarreurs, d'hommes forts, on pourrait dire. Mais bon, si on regarde, Mathieu Landry qui dit on a ajouté des toughs, mais nous, on n'a absolument rien. C'est pas Poulin qui va rivaliser avec les Murphy, Amel, Belmar. Poulin, il est capable. Je veux dire, il les a déjà battus. C'est des différents toughs-là. Puis, tu sais, comme tu as dit, on se fait poser souvent, mais peut-être que si McMorrow se présente, je pense pas que les 3L vont être dans le trouble à ce niveau-là. Puis, comme on a dit, il n'y en aura pas 2-3 d'habillés à chaque game, je pense. Je voulais faire passer une couple de commentaires. Ouais, non, je comprends. Parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, puis là, je suis comme en haut, fait que je l'ai passé. C'est vrai que, tu sais, celui que tu montres là, Vincent Leloy, il apporte un bon point. Là. On s'entend que la courbe d'âge chez les signatures d'hommes forts, là, c'est quand même très âgé, là, des fins trentaine, même début quarantaine. C'est sûr qu'on veut pas que personne se fasse mal, mais en même temps, je pense que... William Ouellet, tu sais, qui mentionne Samuel Lévesque sur Rivière-du-Loup. Samuel Lévesque est toujours sur la liste, là, fait que lui, il peut toujours signer si jamais il y a de quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est... tu sais, c'est sûr qu'on veut que personne ne se fasse mal, puis les blessures à la tête, tout ça, mais
En même temps, je pense qu'en 2021, si un joueur accepte de faire ce job-là, il est conscient des conséquences, dans le sens que c'est pas comme en 1990 où, tu sais, ça se tapait sur la tête à qui mieux mieux, puis on savait pas c'était quoi non plus les commotions. Fait que, tu sais, je pense que c'est dur à dire maintenant de, tu sais, quelqu'un qui ferait ce job-là, puis qu'après ça, tu sais, il y a des conséquences plus tard dans la vie, puis ils disent, ouais, je n'étais pas au courant, puis tout ça. Fait que, je pense que, je pense que les gars qui font ça, faut leur lever notre chapeau parce qu'ils acceptent les conséquences qu'il y en a. Puis il y a aussi un aspect hockey, il y a eu des signatures, là, quand même Francis Charrette, un gros ajout là, pour le Marquis. Mais où est-ce que je voulais m'en venir? Parce que là, je pense qu'on a une petite nouvelle de dernière minute. Là. Il y a une transaction en live pendant le... je ne veux pas faire attendre ma c'est parce que là, non plus, là, mais... moi, je ne l'avais pas vu. Je suis en train de travailler mon show là, une heure avant, puis je ne sais pas exactement quand c'est sorti. Voilà 10 minutes. Fait qu'on venait de commencer, c'est voilà 10 minutes. Je vais le mettre, le cousin l'a écrit. Mais le Cool FM va chercher Maxime Guyon à Rivière-du-Loup contre Vincent Ouellet-Baudry, un choix de 9. Donc, gros échange, là. Je pense peut-être du côté du Cool, on voulait peut-être aller chercher un marqueur sans dépouiller un Rivière-du-Loup, mais Vincent Ouellet-Baudry, c'est un gars qui amène beaucoup d'énergie aussi, qui va être une grande utilité de la Rivière-du-Loup. Ben, moi, je pense que c'est un bon échange entre les deux équipes, vite de même. Là. Je pense qu'il y avait beaucoup de joueurs dans le style de Maxime Guyon à Rivière-du-Loup, donc des joueurs, si on veut, le marqueur, un petit peu plus petit gabarit. Puis là, avec l'émergence de Maxime Saint-Cyr cette année, je pense que Guyon, il avait plus de misère à faire sa place. Parce que Maxime Guyon, c'est pas un gars que s'il joue sur le troisième, quatrième trio, il sera pas productif. Là. C'est un gars que ça lui prend du temps de glace sur les deux premières lignes. Fait que je pense qu'il va avoir cette chance-là probablement à Saint-Georges. Puis Vincent Ouellet-Baudry, quand on regarde justement à Rivière-du-Loup, la 3-4e ligne, je pense que c'est peut-être un aspect, puisque les deux premières lignes vont bien, mais peut-être la troisième ligne, on aimerait ça qu'il y ait un petit peu plus d'attaque dans la troisième ligne, resolidifier aussi la défensive. Fait que, puis en plus, c'est un gars qui est jeune aussi, là, qui va pouvoir grandir dans la ligue. Fait que non, ça risque d'être un bon échange pour les deux équipes. Puis en même temps, tu sais, changement d'air, tout ça, c'est deux équipes qui, on ne se le cachera pas, ont des difficultés en début de saison. Fait, peut-être que deux changements d'air comme ça, tu sais, ça va brasser un peu la soupe. Peut-être que ça va permettre d'aller chercher un peu d'énergie de plus des deux bombes. Donc, le frère de Ouellet-Baudry a déjà joué pour Rivière-du-Loup, que Carole Godin nous dit. Qu'est-ce que vous pensez, là, les gens du Cool qui nous écoutaient, les gens de Rivière-du-Loup? Je vais vous laisser peut-être répondre à la question en commentaire. Je pense qu'il y a un petit délai de 10-15 secondes. En attendant, je voulais y aller comme avec les deux autres nouvelles là, qu'on avait. Parce qu'on voudrait rentrer notre invité, là, Max Villemer, dans les prochaines minutes. Mais parlant de Rivière-du-Loup, il y a Fabien Dubé aussi qui prend la place du DG Carl Boucher. Je pense qu'il était déjà son assistant gérant. C'est peut-être une passation des pouvoirs. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, David? Ouais, ben, je pense que, tu sais, Carl Boucher, il n'y avait pas. Il avait fait savoir son intention, là, qui, tu sais, c'était plus le DG officiel, c'était comme un assistant, c'était un conseiller hockey dans le fond. Fait qu'il avait fait savoir qu'il voulait s'en aller. Je pense que c'est un peu ça. Là, je pense que Carl Boucher a décidé que c'était fini. Puis, je pense que Fabien, c'est quelqu'un qui avait fait cette job-là dans la Ligue Senior 3A. Fait que c'est quelqu'un qui sait comment faire pour recruter des joueurs, qu'est-ce que ça prend. Fait que, je pense que c'est quelqu'un qui va savoir faire la job. Là, à savoir est-ce qu'il va être capable de monter un club gagnant, seul l'année nous le dira. Mathieu Ricard, qui dit le DG de RDL, Fabien Dubé, connaît bien Ouellet-Baudry car c'était le premier choix de climatisation du petit Trois-Rivières en Senior 3 cet été. Donc, petit complément d'information. Ouais. Ben, c'est le fun pour Ouellet-Baudry parce que ça veut dire que définitivement, le DG le voyait dans sa soupe. Fait qu'il voulait l'avoir pour Rivière-du-Loup. Fait que... C'est toujours le fun pour un joueur se sentir voulu comme ça. Puis pour ceux qui se demandent, qui viennent d'arriver, là, le TIF n'est pas parmi nous. Ce soir, là, il y avait des obligations.
Il n'y a rien qui se passe. Il était seulement malade, là, donc puis sa copine aussi, là, fait qu'il n'y a pas de danger de ce côté-là. Mais j'ai vu quelqu'un tantôt qui a écrit même le TIF a peur de Max Villemer, là, fait qu'il s'est peut-être sauvé du podcast. J'ai quelqu'un qui écrit ça tantôt. Fait que c'est peut-être ça aussi. Là. Regarde, Mathieu Landry. Il dit qu'il avait peur de se pogner avec Villemer. Mais sinon, peut-être avant d'aller avec notre invité, Max Villemer, une autre nouvelle là, qui a attiré l'attention, le projet Équipe Saint-Jean, il y a un message là, qui est écrit sur le groupe par Vincent Vallière, pas le chanteur, là, mais le promoteur qui s'occupait du projet d'amener une équipe là. C'était avant la COVID en 2020, donc ça avait été accepté là, pour faire un petit résumé des faits au conseil de la ville, puis on était en processus. La COVID est arrivée finalement, ben, on a eu un message là, hier soir, comme quoi que le promoteur Vincent Vallès se retirait du projet. Donc, je vais vous teaser un petit peu là. Je me suis entretenu avec lui là. Puis demain sur la source du hockey.com, il va avoir un article à propos de ça. Il parlait de conditions qui n'étaient pas gagnantes. Donc on va en parler dans cet article-là demain. Pourquoi là finalement les projets? Parce que c'était un petit peu vague là dans le communiqué. Donc on va regarder ça demain là, sur la source du hockey.com. Donc, on est-tu prêt à aller avec notre invité? Parce que je le vois. OK, on voyait son plafond. Là, fait que j'avais peur un petit peu. Mais les gens, n'hésitez pas là, si vous avez des questions là, pour Max Villemer. On est là pour ça. Il est là pour ça. Donc, salut Max. Comment ça va? Salut boys. Ça va en forme, en forme? Yes, yes, yes. Alors, on va te la poser, la question. Là. Penses-tu que le TIF a eu peur de toi? Là, ou Non, le TIF, il est tough en maudit. Il est tough. Pardon? Vous avez une bonne relation, ça c'est correct de ce côté-là? Ouais, on est correct comme ça, ouais. Donc, ça, on en a parlé peut-être un petit peu là, en pré-entrevue, là, mais on va aller avec toi là, un petit peu parler de ta carrière, ton parcours. Bien sûr, là, on va parler de la saison en cours, peut-être. On pourrait peut-être commencer, là, on le sait, là, on a eu la COVID, les séries annulées, pas de saison la saison dernière. Comment là, tu t'es tenu en forme là, pendant cette année et demie-là, là, avant le retour au jeu? Ça a-tu été dur? Je pense pas mal comme tout le monde. On est resté à la maison, puis on prenait du poids pas mal. Fait que quand on est retourné aux activités, il a fallu qu'on donne un petit peu plus d'efforts qu'à l'habitude. Là, mais je commence tranquillement à prendre le beat. Là. C'est pas super facile. Après presque 18 mois, pas touché à la glace ou à avoir joué une vraie game de hockey. Là. Fait que je commence tranquillement. Là, ça va de mieux en mieux, là, ouais. Puis moi, je voulais savoir un peu peut-être la question que beaucoup de monde doivent se poser. Tu avais annoncé ta retraite pendant la pandémie. Puis finalement, pour revenir cette année, c'est quoi qui a fait que, en fond, tu es sorti de ta retraite pratiquement? Ben, j'ai eu des discussions pas mal tout l'été avec Carl, mais il y avait beaucoup aussi, je viens d'avoir un bébé. Puis avec le travail, puis je voyais pas comment que je pouvais me libérer du travail ou quoi que ce soit pour pouvoir au moins passer un petit peu de temps avec, ouais, avec mon bébé aussi. Puis j'ai discuté aussi avec mon boss, puis finalement, ben, j'ai eu la conclusion de... Tu sais, j'avais le goût encore de jouer au hockey, là. J'ai juste 29 ans, fait que j'avais décidé de... Je suis en construction, fait que j'avais décidé de prendre un petit break cet hiver, de rester au chaud la semaine à la maison avec mon bébé, puis de jouer au hockey la fin de semaine. Là. Fait que je pense que c'est gagnant pour les deux. Là.
Ouais, ben c'est cool. Comme le message qu'on vient de voir, là, je pense que les fans à Radulu sont extrêmement contents là, que tu aies re-signé. Je pense que ben, tu devais être au courant, mais je pense que c'est un favori de la foule là-bas. Ouais, ben j'ai eu une belle accueil à mon premier match là-bas. Là. C'était vraiment le fun. On en reçoit pas, c'est rare, là, on n'est pas comme mettons au Centre Bell quand tu scannes, tu fais dire ton nom à haute voix, là, mais quand mon premier match, puis ils m'ont annoncé, c'est vraiment le fun. Il y avait beaucoup de monde aussi à Rivière-du-Loup. Puis ça fait quand même 6 ans que je joue là-bas. Fait que je connais pas mal de monde aussi là-bas. Fait que c'était vraiment le fun. Maryse Poulain qui demande tu fais quoi comme travail, Max? Tu disais que tu étais dans la construction? Ouais, je suis charpentier menuisier. Donc okay. Je suis dans le résidentiel. On monte des maisons. Tout l'hiver et tout l'été aussi. Là, fait que, mais c'est ma première année que j'ai pu tenter un petit peu le travail pour pouvoir jouer au hockey à temps plein. Mm-hmm. C'est toujours dans le même coin? Ouais, c'est ça. J'avais dit aussi à Rivière-du-Loup que si, mettons, que je pouvais pas avec le travail, ben je voulais pas jouer un 50% ou juste jouer les games à Sorel ou à Laval. Puis on a déjà connu du monde qui venait jouer à Rivière-du-Loup juste quand, mettons, on jouait proche. Puis je pense pas que ça fit vraiment dans une chambre, là, voir le gars juste parce que il vient quand c'est proche ou quand ça y adonne. Fait que non, j'ai dit si je suis là, je suis là à 100%. Puis finalement, ça a bien adonné. Si on regarde là, peut-être ton parcours, tu as joué dans la LHJMQ à Drummondville puis à St. John, tu as quand même côtoyé là, des Huberdo, Jerko, Charlie Carr, des gars de la NHL. Est-ce qu'il y a des joueurs là, dans ce temps-là qui t'ont le plus. Qui t'a le plus impressionné là, dans ce gang-là? Là? Ben, Joe Huberdo avec ses skills, il a tout le temps eu des bons skills dans le junior. Là. C'était assez impressionnant de voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous ces moves en breakaway, il se mettait tout le temps du côté du revers. En tout cas, j'ai déjà essayé et ça n'a jamais marché. Fait que je voulais plus faire un petit peu stupide sur la glace. Mais ça, Charlie Carl, c'est juste sa shape. On était tous des enfants. Puis lui, c'est comme s'il arrivait d'un monde d'adultes. Là, c'était complètement fou. Là. C'était vraiment... T'sais, on dit ici à Montréal, Anderson, c'est un cheval, là, mais Carl, c'était un cheval, mais à l'âge de 18 ans. Là, fait que c'était, il était quelque chose. Là, il était gros et pesant là, à son âge. Tu as plusieurs anciens coéquipiers, là, les Bouvet, Morissette, Caouet, Dominique Graham, Danick Gauthier, que maintenant vous jouez contre. Est-ce que vous parlez sur la glace? Ça va être encore une bonne entente, là, je sais pas c'est quoi le mot. On va faire bizarre. J'essaie de pas trop avoir des parler sa ligne rouge au warm-up. Ouais, c'est ça. Les amis, j'essaie de les garder un petit peu en dehors là, de la glace. Mais oui, mettons, Graham, j'ai joué presque 2 ans avec. Morissette aussi. Fait que c'est sûr que Morissette, ça fait quand même 2-3 ans, je pense, qu'il est dans la ligue. Fait que on a eu le temps de se dire un 2-3 salut, comment ça va, mais là, après 3 ans, on y va un petit peu plus fort. Là, fait que... Mais Graham, c'est sa première année, fait que on y va un petit peu plus smooth. Là. Parce que la fois que vous avez joué contre, à date, vous n'avez pas été trop smooth. Là, ça... La game après 10 minutes. Ouais. Ouais. Je veux savoir, tu es arrivé en 2013 là, quand même dans la ligue. Pratiquement après ton junior, tu as joué un peu là, dans la East Coast League, je pense à Gwinnett, quelques matchs. Mais qu'est-ce qui a fait là, que tu es rentré dans la Ligue nord-américaine? Est-ce que il y en a beaucoup de joueurs là, qui parlent que aller à l'école en même temps que pouvoir jouer au hockey, c'est important pour eux. C'est quelque chose que plusieurs ont pu faire, je veux dire, dans la Ligue nord-américaine. Pour toi, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait là, que t'es venu dans la ligue? Ben, il y a beaucoup ces côtés école, qu'est-ce que tu veux faire aussi dans la vie plus tard. Puis dans East Coast, moi, j'ai pas eu le même thrill que Tiff. Là. Je sais que Tiff, il a joué plusieurs années dans East Coast. Là. Moi, j'ai pas eu le même thrill que lui quand j'ai joué là-bas.
Puis tu sais, faut se dire, là, côté monétaire aussi, c'était pas quelque chose qui était alléchant pour moi. Qu'il fallait que j'aille à plusieurs kilomètres de la maison, payer plusieurs affaires. Puis quand je reviens ici, t'as pas nécessairement de montant non plus de côté. Fait que c'était ça. Après ça, ben je connaissais aussi Joe Aligné qui jouait à Thetford dans le temps. Ben, j'ai joué avec à Drummondville aussi. La rivière, ben il vient pas loin de chez nous, là. Il vient de Saint-Constant. Fait qu'on a jasé un petit peu. Puis il m'avait, je pense que j'avais été drafté, si je me trompe pas. En tout cas, ça fait quand même 8 ans, là, mais j'ai été drafté là-bas. Puis j'ai eu des bons commentaires. Thetford, c'était vraiment une bonne organisation. Puis finalement, j'ai dit, ah ben, pourquoi pas? J'avais eu un offre pour avoir encore un contrat dans East Coast, mais j'étais vraiment mindé dans mon idée là, de rester ici, aller à l'école, T'aurais pu finir essayer mes l'Europe aussi, études. peut-être. C'est pas quelque chose qui te tendait. Ben, j'ai jamais vraiment eu d'offre, puis je sais pas si mon style de jeu il aurait peut-être fité en Europe. Là. Je connais pas vraiment le style là-bas, là, mais je sais que t'sais, y a pas mal de joueurs qui ont été, mettons, des Marcotte, des Tourigny qui ont été aussi. T'sais, ça me donne de l'air un petit peu plus, mettons, rapide de finesse. Là. Fait que je ne sais pas si j'aurais fité là, puis de toute façon, j'ai pas vraiment eu d'offre. Fait que non, je suis content de mon choix. Je suis content de mon choix. T'sais. Ça fait quand même 8 ans que je suis dans la ligue, puis j'ai du fun comme si c'était ma première. Là, fait que. Ouais. Il y a quelques questions dans le chat là, qui m'ont fait sourire. Je suis en train de monter parce qu'il y en a beaucoup pour eux. François Bellefleur qui dit: quel joueur tu aimes le plus provoquer dans la ligue, celui que tu trouves facile à faire sauter la coche? Boy. Il y en a. Boy, je sais pas trop. C'est dur à répondre vite de même. Mais je sais pas. Non, je pense pas qu'il y en a un plus que l'autre, là. Ils Mais c'est sont sûr toutes faciles. que. Non, non. Des fois, il faut que tu travailles fort, hein. Des fois, il faut que tu travailles fort, là. Non, je sais pas, là, vite de même. Peut-être le goaler Cédric à Jonquière, c'était Le le fun quand même, là, jardin, nos petites oui. discussions, là, c'était bien le fun, ça. Ouais, sinon, un peu dans ce. J'ai vu une autre question passer, là, si je t'avais trouvé d'autres aussi. Dans le fond, c'est lequel des deux Malouins qui se déteste le plus? Parce que tu te pognes souvent Bon. avec les deux. Pense que les deux sont égaux, je pense. Ouais, ça Sont va être assez fatigant, égaux, là. ouais. Ouais. J'essaie de retrouver la question, justement. Les deux. Ah! Les deux sont pas bons comme Villemaire. Ah, j'ai le pépin qui dit les deux Malons sont pas bons comme Villemaire. Non. C'était Ouais. pas ça la question que je cherchais, mais puisqu'on OK. en parle, c'est bon pour toi. Ouais. Je Sinon. voulais savoir, mais tu as gagné là, en 2014 et en 2015, là, avec Thetford en 2014, Rivière-du-Loup en 2015, avec deux équipes différentes. Est-ce que tu peux me dire un peu de chaque équipe, ça a été quoi pour toi, là, gagner le championnat dans la Ligue nord-américaine? Ben, c'était fun. Thetford, ma première année à Thetford, on s'est rendu en finale, on a perdu. Ma deuxième année après ça à Thetford, on a gagné la coupe. Puis c'était pas mal le même noyau qu'on avait. Les vétérans, tu sais, c'était vraiment facile d'être dans ce mood-là. Tu sais, tu avais des medley dans ce temps-là. Il y avait les deux Courcelles aussi qui étaient là. Larry, que pas mal de monde connaît à cette heure. C'est sûrement un des plus gros leaders, un des plus grands leaders dans notre ligue. Il y avait, tu sais, déjà Ontario qui était là pour nous backer aussi. Tu sais, des Chris Lozier. On était une équipe vite de vétérans, mélangée avec une équipe de jeunes aussi. Puis c'était vraiment le fun. Là. Surtout que, tu sais, moi, je connaissais beaucoup Chris Lozier, Gab Lemieux aussi qui était là dans le temps. Puis on était vraiment une gang de chums, fait que c'était vraiment le fun. Mon année à Rivière-du-Loup, je me rappelle, j'étais encore à l'école, puis au début, quand je m'avais fait échanger de Thetford à Rivière-du-Loup, je voulais pas y aller, tu sais, à cause de l'école, le voyagement et tout, puis finalement, à Noël, j'avais décidé d'y aller. Puis à partir de Noël, parce que l'équipe à Rivière-du-Loup, dans ce temps-là, là, avant,
avant 2016, là, aller arriver à Duluth, c'était comme un petit peu poche, là, tu sais. C'était pas l'une des équipes qui s'est mis à affronter parce que c'était pas, tu sais, c'était des games plates, mettons, on peut se dire, là. Fait que aller arriver à Duluth, c'était moins le fun. Puis finalement, quand j'ai mis le pied à arriver à Duluth, c'était, moi, j'ai vraiment adoré, là. Que ça soit la ville, que ça soit les partisans, que ça soit les gars dans la chambre, moi, j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis, c'est ça, en 2016, on a gagné, puis je pense que c'était un des premiers trophées qui gagnait à Rivière-du-Loup aussi. Fait que ça faisait en sorte que c'était vraiment comme on dirait une coche de plus. Là, les partisans y ont embarqué. Il y avait du monde de Rimouski qui descendait pour venir nous voir. Wow. Fait que c'était vraiment gros. Là, je me sentais comme quand j'avais gagné dans le junior majeur. On se sentait comme des petits culs là, qui gagnaient la Coupe Stanley. Puis c'était vraiment cool. Là. J'ai bien aimé ça. Là. Moi, j'aimerais ça. En fait, je m'en rappelle très bien de tes deux championnats. C'était contre ouais. les deux fois. Mais ouais. Je veux savoir, parce que moi, j'aimerais ça parler un peu de la série, justement, quand tu as gagné à Rivière-du-Loup, parce que de ce que je me rappelle, des finales qui ont fini en 7 games, il n'y a pas eu beaucoup. Puis en plus, tu sais, il y avait eu 3 games en overtime dans cette série-là. Tu sais, c'était vraiment serré, là, c'était fou. Qu'est-ce que tu te rappelles un peu de cette série-là, plus du niveau hockey, de comment ça s'est joué? Je sais que c'était vraiment du jeu, c'était du jeu physique. Là. Même en overtime, je me rappelle, là, on était tellement brûlés, mais en même temps, on disait on n'a pas le choix. Là. C'était vraiment du jeu mental aussi. On était vraiment brûlés. C'était physique, du jeu rapide. On dirait que c'était plus, mettons, tu regardais la ligue dans, mettons, overall dans toute la saison. Puis vraiment, juste ce game-là, tu te disais, c'est pas vrai, on n'est pas vraiment à la même place. Là. On n'est pas pantoute, on n'est pas sur la même glace qu'avant. Puis tout, les joueurs, ils ont steppé up. Puis c'était du hockey là, que je pense que j'ai jamais vu dans cette ligue-là. C'était vraiment du hockey de série. Mm-hmm. Ouais. Sinon, ton but, je pense que Sorel avait marqué le premier but à Game 7, puis je pense que c'est toi qui avais compté deux buts, je pense. C'est toi qui avais marqué deux buts en finale, ouais. J'imagine ça doit être pas mal. Tu dois pas vraiment avoir de meilleurs buts que ça dans ta carrière dans la Ligue nord-américaine, j'imagine. Non, c'était vraiment des gros buts. Là. C'est des buts importants quand tu es capable d'avoir de faire deux buts rapides comme ça. Puis je pense que moi, c'était les deux premiers buts. Fait que ça faisait vraiment un 2-1. Ouais. Un lead à Rivière-du-Loup avec le monde. Tu dois t'en rappeler, là, le monde qui avait dans les estrades. Ouais, c'était vraiment 4 000 personnes, je pense. Ah, c'était complètement débile. Là. Fait que tu sais, scorer un deux buts de même, tu sais que t'es bien parti après ça pour la game. Là. Fait que c'était. Donc, je m'en rappelle encore. Puis, t'sais, à Rivière-du-Loup, souvent, quand on fait des on se fait interviewer par TVA, nouvelles, puis tout, ils nous demandent les plus beaux moments, puis on en reparle encore, puis on a des frissons. Là. On en parle des fois des gars aussi dans la chambre là, qu'on était avec, le peu de gars qui nous reste, là, mais on en parle encore, puis c'était vraiment le fun. Hein. Il y a Tim Martin qui, dans le chat, dit « Crois-tu que le retour de l'évêque sera apprécié à Rivière-du-Loup? Ça donnerait un coup de main côté toughness? » Ben, Sam, c'est pas juste de la toughness qu'il y a même dans une chambre. Sam, c'est tout ce qui englobe Sam, c'est du positif. Là. Dans la chambre, il t'emmène du sourire, il t'emmène du power, il t'emmène beaucoup plus que de la toughness. Là. Oui, Sam, c'est peut-être un des plus gros toughs de la ligue. Là. Mais côté dans la chambre aussi, côté friendly, là, il t'emmène encore plus que qu'est-ce que, mettons, le monde y voit. Là. Fait que oui, c'est sûr qu'un Sam Lévesque arrivé à Duluth, là, ça l'aiderait pas mal. Hein. Il y a une question de Julie Miville qui dit « Quand tu te fais détester par les partisans adverses, est-ce que c'est quelque chose qui te drive, qui te motive? » Oui, vraiment. Moi, j'aime bien ça. Là. C'est pas voir rien que des places comme Sorel et Laval, j'aime bien ça aller jouer là. Là. En plus, t'es énorme, c'est bon, ça. Ben oui, mais là, pour, de toute façon, on se fait des amis partout, là, parce que c'est correct. Là. Mais non, tu sais, je veux dire, je me ferai pas huer à Rivière-du-Loup, là, quand même. Mais, non, c'est toutes les places où est-ce que, tu sais,
moi, je me suis tout le temps dit, si je me fais huer, c'est parce que je fais ma job. Si je fais ma job, ben, je donne une chance à mon équipe de gagner. Fait que non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai été échangé à Rivière-du-Loup. Puis, quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup, tous les gars avec qui ils m'ont salué quand j'étais arrivé, ils m'ont tout dit qu'ils m'aillissaient à la face. Puis, tout. Puis, après 3-4 games, ben, ils disaient que j'étais un de leurs meilleurs chums. Fait que. Non, c'est ce qui reste à la glace, ça reste à la glace, puis après ça, on passe à autre chose. Mm-hmm. Il y a Samuel Bus qui demande, est-ce que tu as fait des camps avec des équipes de la NHL? J'avais fait un camp, ben c'est plus des rookie camps, là. Avec Phoenix, puis j'ai fait Saint-Louis puis Boston. OK, quand même. François Bellefleur qui dit comment trouvais-tu les flûtes à Laval durant la coupe à Rivière-du-Loup? Ouais, lui il peut bien parler parce que c'est lui la flûte. Il faisait bien sa job, ça nous a dérangé, mais en même temps on a gagné, fait que il pourrait les emporter si on joue là-bas, là, si ça peut nous avoir aidé. Ouais, maintenant que tu sais que les flûtes, ça le motive, il va peut-être arrêter ouais, sa ben, flûte. C'est assez fatigant, là, mais je me rappelle de ça, c'était assez fatigant, mais on a gagné la série, fait que c'est correct comme ça. Il y a William Ouellet qui dit demander à Max s'il adore M. Roussel, le partisan de Rivière-du-Loup. Ah oui, je l'adore. Ben, je le vois de temps en temps. Là, fait que non, c'est le fun. Ouais, justement, je pense en fin de semaine. En fin de semaine, il était à un moment donné quand vous avez eu des pénalités. Là, il était comme par-dessus la vitre. Oui. Puis... C'est un personnage, je sais, qui est le fun de voir Rivière-du-Loup. Il prend son équipe à cœur, puis c'est le fun, là. Moi, j'avais une question. Tu en as parlé un petit peu tantôt, le fait là, que Rivière-du-Loup, au début, quand tu as été échangé, tu trouvais que c'était loin, puis tout ça. Quand tu es arrivé, tu as vraiment aimé la gang, tu as vraiment aimé ça. Mais c'est quoi qui pourrait peut-être... pour les joueurs là, qui habitent dans ton coin, sur la rive sud, tout ça, faire, mettons, 6 heures de route, les convaincre de venir jouer là, à Rivière-du-Loup. C'est quoi qui est si beau que ça à Rivière-du-Loup? Là? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Un voyage de van avec les boys, puis d'après moi, ils vont rester. Ça, là. Les voyages de van. les voyages de van, ça, là, c'est le fun à maudit. S'ils passent, une fin de semaine dans la vanne, ils vont d'après ils vont payer en piqûre. Mais tu sais, c'est sûr que aussi, tu sais, jouer avec devant, beaucoup de partisans à Rivière-du-Loup aussi, c'est le fun. L'aréna, on a une belle aréna aussi qu'on a là-bas, mais tu sais, il y a de beaucoup que c'est ça part de la vanne avec les boys. On a un bon groupe aussi à Rivière-du-Loup, là, puis tu sais, je ferais pas 4h30 de char tout seul. Là, dans mon char, là, tout seul. Fait que être avec les gars, c'est vraiment le fun. Mm-hmm. Good. Peut-être en terminant, là, on parlait là, du dernier week-end contre le Marquis de Jonker. Peut-être les parties, parce qu'on a une surprise là, pour tantôt, là, justement. On a quelqu'un de Jonker qui va venir nous en parler. Donc, qu'est-ce que tu peux nous parler? Là? C'est quand même un. Des matchs qui ont été chaudement disputés là, le dernier week-end? Oui. Ben, tu sais, dans notre ligue, c'est quand même rare là, de jouer des back-to-back comme ça. Là. La première game, ça a quand même mal commencé. Tu sais, on est une équipe quand même assez jeune aussi en défensive, là, puis on s'en cachera pas, là, on sait. Puis moi, je reviens, tu sais, ça fait quand même juste 5 matchs que je joue environ. Là. Fait que, tu sais, juste pour qu'on reprenne la paix, se reprenne, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec Tourigny, Marcotte aussi. On a eu des chances, mais on n'a juste pas été capable de scorer.
surtout la deuxième game. Je pense qu'on méritait peut-être un meilleur sort que ça. Mais Karel, il a quand même vraiment bien goalé aussi. Là. Il nous a, d'après, selon moi, il a peut-être gagné la game à lui tout seul aussi. Là. Il a fait des gros saves pour son équipe. Mais non, je pense qu'il va falloir qu'on joue un petit peu plus en équipe, un petit peu plus aussi. Tu parlais de Émilien Boilly ou Karel Saint-Laurent? Du Karel. Karel, ben tu sais, Boilly aussi, il a bien goalé le premier match, mais Karel, c'est le deuxième match, je pense qu'on était plus dans la game. Puis Karel, il a fait au moins deux, trois gros saves qui a sauvé, selon moi, peut-être la game aussi samedi. Fait que ça nous a pas aidé. Puis je pense que pour les prochaines games, il va peut-être falloir qu'on joue des 60 minutes au complet. Souvent, la première période, on échappe beaucoup trop. Fait que jouer un 60 minutes, puis jouer dans le tapis comme les trois, on est capable de le faire. Puis je pense que ça va peut-être mieux aller là. J'ai un gros sourire en ce moment, pour vrai. Ben, je te vois, parle. Quand j'ai dit le mot Karel, tu le vois? C'est lui qui est l'autre bord, hein? Ben, c'est ça. Ouais, exactement. Je viens de lancer des peurs aussi, puis il arrive de même. Pour les gens qui ne savent pas, ben, là, vous le savez, la surprise qu'on va avoir tantôt pour nous parler des matchs du week-end, ça va être Karel Saint-Laurent, puis il est présentement dans la salle d'attente, puis tout ce que Max vient de dire, ben, il a entendu, comme t'as dit, les fleurs. Il doit être content, là. peut-être parler là, un peu de ton équipe, là, quand même, vous avez des joueurs là, qui font belle figure en ce début de saison. Peut-être vous n'êtes pas au classement ou que vous voudriez être, là. Maxime Saint-Cyr, Yannick Asselin, un beau duo. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton équipe là, cette saison? Oui, ben, tu sais, on est, comme j'ai dit tantôt, on est une équipe jeune. Puis, tu sais, en étant une équipe jeune, quand on prend le lead, souvent ce qui arrive, c'est qu'on s'assied sur le lead, puis on fait des erreurs. Puis, on est une équipe que si on fait des petites erreurs, nous autres, on va payer cher aussi des petites erreurs. Certaines games, on aurait peut-être dû gagner, puis il y en a d'autres que, mettons, on aurait pu se faire encore plus planter. T'sais, ce que notre fiche représente vraiment, les games qu'on a joués, je pense pas. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a au moins deux, trois là, que facilement, on avait manqué pas mal de chances de marquer, puis on n'a pas été capable. J'imagine que ça va peut-être débloquer de un moment donné, mais... Non, c'est ça. On est une équipe jeune. Comme tu dis, les Saint-Cyr qui viennent d'arriver, ça donne la fraîcheur à la chambre un peu. Ils marquent des gros goals avec Asselin aussi, là, qui était là aussi l'année passée, là, l'autre année. Puis, non, il joue du gros hockey pour nous autres. Là. Après ça, ça va être resté à de l'autre ligne, là, à les deux autres lignes d'embarquer puis d'en scorer des buts aussi. Là, puis, peut-être jouer un petit peu plus défensif aussi parce qu'on accorde beaucoup de buts, on en score beaucoup, mais on accorde beaucoup aussi. Là. Peut-être juste resserrer tout ça. Là, mais non, on a bien hâte que ça recommence là, d'être là. Nous autres, je pense qu'on a les trois prochaines semaines, on a juste un match. Là, fait que ça va être un petit peu difficile. Fait que les gars, il va falloir qu'on soit un petit peu plus sérieux la semaine, là, toucher au moins à glace, là, parce que les autres équipes vont au moins avoir touché deux fois la glace par fin de semaine. Là. Ouais, en plus, qu'on sait que Rivière-du-Loup n'a pas des entraînements comme des équipes comme Sorel ou les Pétroliers. Non, mais c'est ça. Ouais. Bon, c'est ça qui fait en sorte que les joueurs vont pouvoir qu'ils touchent un petit peu plus à la glace ou aller dans le gym un petit peu. Là, mais non, tu sais, on a tout passé soit dans le junior ou peu importe dans les autres livres. Il faut juste qu'on se remette du sérieux puis mettre nos bottes de travail puis d'aller à la guerre après. Là. Il y a un commentaire à la chat qui me fait sourire, Kevin Roy, qui dit « Villemaire, la power machine, j'aime ça quand tu viens jouer à Jonquière, tu me fais sacré, continue. » On dirait que tu as une relation d'amour et haine avec les partisans. C'est vraiment le fun de voir ça. Mais, je suis content. S'il peut venir à l'aréna et sacrer comme ça, je suis content. Il laisse ses sacs à l'aréna, je vais être content.
T'as-tu peut-être un message à lancer, là, une invitation, quelque chose, ou quelque chose à dire aux partisans de Rivière-du-Loup, peut-être? Ben, je sais qu'on a des temps difficiles à Rivière-du-Loup, là, t'sais, on se cachera pas, tout le monde voit notre fiche. C'est pas l'affiche qu'on voudrait afficher. Puis je sens que ça va revirer de bord bientôt. Puis t'sais, les gars, on le sait, on connaît toute la job qu'il faut qu'on fasse. Puis je pense qu'on s'est tout parlé dans le blanc des yeux aussi, là. On est au courant que ça va. On est dans un tourbillon en ce moment, mais on va s'en sortir tout ensemble. Puis de continuer à nous appuyer parce qu'on a besoin de nos partisans à Rivière-du-Loup. Bien sûr. Merci, Max Villemer, pour d'être venu là, sur le podcast. Merci de ton temps, pour vrai. Puis on va te souhaiter une bonne saison à toi. Yes, merci, boys. Yes, sir. Merci à toi. Bonne soirée, ciao, là. ciao. Bye. Bonne soirée. Merci. Yes. Donc, un bon gentleman, là. Max Villemer, il peut Ouais. être une peste à la glace, mais quand on y parle comme ça, on voit que c'est un bon gars. Les gens là, qui nous écoutaient, David, je propose, là, on pourrait peut-être aller aux petites vidéos, le top 5 des jeux de la semaine. Par la suite, on va parler des matchs du dernier week-end. Restez avec nous, tout le monde. Karel Saint-Laurent va être avec nous pour parler des matchs, là, justement, les deux matchs contre Rivière-du-Loup. On va avoir eu d'un côté, on va avoir l'autre côté. Donc, restez des nôtres, là, dans environ 2 minutes et on revient. La Fontaine, sortie du côté droit. Tente le long jeu, intercepté toutefois, et on va s'amener en surnombre à 2 contre 1. Morissette, et la fin de tir, le but! Oh, quel jeu et quel revirement de la part de Tommy Lafontaine. C'est rare qu'il se fait prendre. On a tenté le long jeu et on va en payer le prix du côté de l'assurancière. Ouais, Bouvet Morissette qui intercepte, remet à son coéquipier. Je pense que c'était... De Boilly, on relance l'attaque. Avec Picard et Paradis, Picard s'amène à toute vitesse, contourne le défenseur, devant de celle le tir, le but! Wow, quelle belle pièce de jeu d'Alexandre Picard qui a usé de toute sa vitesse. Il avait l'air du Roadrunner sur cette séquence. Ah, il a fait qu'une bouchée en premier lieu là, de Joachim Paradis et finalement de celle qui, une fois de plus, là, a mordu à la première feinte. Picard qui... On sait c'est qui à Sorel. Marco Chapantier qui s'amène avec la vitesse. Freine tire le but! Quel beau but de Marco Chapantier. Et là, on regarde le banc de Sorel tracé du côté de Marco Chapantier. Et c'est de bonne guerre. La rencontre. On s'amène avec un angle. Bilodeau. Oh, quelle belle feinte de Gabriel Bilodeau. Il glisse la rondelle entre les pattes de... Alors, Bouchard s'amène. On joue avec le 10, Samen, imagine-le. Il va une feinte. Oh, quel beau but de François Bouchard. Quelle belle feinte. Et c'est les pétroliers qui sortent victorieux de ce match ce soir par la marque de 2 heures en tir de barrage. Alors, quelle victoire du côté de Laval. Là, on vient chercher 2 gros points sur la route à Sorel-Tracy. Au capitaine Alexandre Tremblay. Revient à la hauteur de la ligne bleue. S'avance davantage dans l'enclave, mode d'un tir, le retour qui appartient le mieux. On frappe à la porte et la rondelle qui est toujours libre. Le filet qui quitte ses amarres. Bousculade, il n'y a pas de vin du côté des éperviers. Le cours qui aimerait bien s'amener dans l'attroupement, retenu. Et voyons voir ce que sera la décision de l'officiel. Ouais. Est-ce qu'il y aura des infractions? Riedo, ça revient à Harkey. Riedo s'empare d'une rondelle libre. Samène demande relève. Belle feinte de Riedo. Le tir, le but! Oh, quelle feinte! Wow! Passe un savon là ici à Decel qui a mordu à la première feinte. Et donc, Riedo qui complète dans une cage béante. On en avait parlé il y a quelques instants à peine de Yannick Riedo qui avait beaucoup de talent. On voit d'ailleurs la séquence. Et
Et de retour, tout le monde, pour parler des matchs du dernier week-end. Avec nous, des Marquis de Jonquière, Karel Saint-Laurent. Comment ça va, Karel? Ça va, les boys? Yes, yes. Je veux juste m'assurer que la tête a fit encore dans l'écran après que Maxime m'a lancé des fleurs de même. Là. Non, c'est bon, t'es bien centré, la moustache est belle aussi. Excellent. Je voudrais peut-être juste dire une petite annonce là, avant de commencer avec les matchs du week-end. Sébastien Wolf-Tremblay qui dit dans le chat 4 paires de billets à faire tirer pour ce samedi sur 100% fans des Marquis de Jonquière. Donc, si vous voulez aller sur la page 100% fans des Marquis, 4 billets à gagner. Donc, allez-y, mesdames et messieurs. Pour parler des matchs, là, Karel, dans le premier temps, toi, tu étais d'office dans le deuxième. Dans le premier match, là, victoire 5-3. Qu'est-ce qui s'est passé du match? Là? Ça a commencé slow, je te dirais. C'était bizarre, le vibe durant le match. On dirait qu'il n'y avait pas trop d'animosité, on n'était pas trop physique. C'était le premier match. C'est le premier match. Tout le monde venait faire de la route. Peut-être que c'était ça le petit facteur là, de la route. Tout le monde, on semblait s'étudier, mais on a été opportuniste. On a... Yannick Rindeau là, qui nous a scoré un gros but là, qu'on vient de voir là, en position numéro 1. Ça, c'est on l'appelle le magicien. Il est capable de t'en sortir un comme ça de temps en temps. Là. Des fois, je me demande comment il fait. Là. Il te sort, il est dans une position impossible. Tu as l'impression qu'il va tomber. Puis finalement, il te sort une spoon. Il me sent les pads. Il est incroyable pour ça. Là. Mais non, pour la première game, je pense qu'on a été opportuniste. On a mis du puck au net sur Dessel. Dessel, il a quand même fait des gros saves de l'autre côté. Mais on a mis de la pression sur lui. Puis je pense que c'était ça le mot d'ordre de mettre beaucoup de lancers au filet durant le week-end. Il y a Alexandre Picard dans le premier match, 2 buts. Ben, il est première étoile de la semaine là, avec ses 4 buts. Ouais. Je vais mettre les étoiles de la semaine, Alexandre Picard, 4 buts, et aussi ton coéquipier Yannick Rindeau, 2 buts, 3 passes, là, la troisième étoile. Ouais. Quand même. Le pic est solide, honnêtement. Là, il est arrivé dans une forme. Je ne sais pas si. Sérieusement, la pandémie était incroyable pour lui. Il est dans une forme incroyable. C'est, on dirait le pic des beaux jours là, quand il était dans le show. Fait que il est super là, honnêtement, c'est un super bon teammate. On a du fun à Jonquière. Je sais qu'il y a eu bien du mouvement de personnel au courant de la semaine. Là. Bob n'a pas dormi bien. Ben ouais. On s'est rencontrés samedi matin à l'hôtel juste pour en jaser là, des nouvelles acquisitions. Fait que non, je pense qu'on est on est prêts pour aller de l'avant. Puis on a un bon club. On a aussi Emilien Boily qui nous a goalé une grosse game vendredi. Donc, ça aussi, ça a aidé. Là, dans la première période, il nous a sorti des gros saves, dont un sur Marcotte, là, de ce que je me souviens là, de la mi-terme. Ça, c'était un key save dans mon livre à moi parce que je pense que si il scorait, ça tombait la game à tomber égale. Fait que tout de suite, on a téléscoré. Donc, tu en as parlé un peu là, des échanges, des additions, des signatures. Qu'est-ce que tu peux dire là, du travail de Bob là, dans la dernière semaine? Bien du café là, de Bob. Bob, il a travaillé en masse. Et, écoute, il a pas chômé durant la semaine. Je pense qu'il est à l'écoute des partisans Jonquière. C'est un gars qui est émotif. C'est un gars qui a beaucoup. Comment je peux dire ça? Il est intense dans tout ce qu'il fait. Donc, je pense qu'il écoute ce que les partisans veulent à Jonquière, puis il fait les moves en conséquence. Il pense aussi aux boys dans tout ça. Je pense qu'il nous demande souvent notre avis dans la chambre. Il rencontre des gars à savoir si un tel connaît un tel, puis si ce serait un bon move ou non. Donc, de ce côté-là, écoute, comme je dis, il n'a pas dormi, il n'a pas dit dormir bien la semaine passée, parce qu'à chaque jour, on voyait juste des moves à arriver. Fait que, ça, on peut en parler. Krasinski, Michael Zolo, là, un peu de toughness. Puis Francis Charrette, quand même, un bon marqueur. Il était dans la ligue là, auparavant avec votre équipe aussi. Oui, exact.
il m'a emmené jouer ces games pour être éligible pour les playoffs. Donc, encore là, ça devient une force de plus, ça devient une profondeur. Puis on le sait que on le sait dans cette ligue-là, en rendant en série, la profondeur, c'est très important parce que les gars, la coche, ça devient encore plus élevée. Le jeu est très intense. Donc, les blessures peuvent survenir assez rapidement. Fait qu'en un seul week-end, tu peux te ramasser 3 ou 4 gars out du line-up. Fait que tu as besoin des gars en renfort. Mm-hmm. Et puis, si on se transporte deuxième match, une autre victoire, c'est 4-3. Dans celui-là, tu as gardé les buts. Qu'est-ce que tu peux nous dire du match? Je sais que j'ai vu là, un commentaire passer là, au sujet des arbitres aussi. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là, Karen? Je sais pas, j'ai pas vu le commentaire passer des arbitres, mais honnêtement, j'ai trouvé que de ce côté-là, ça a super bien été au niveau de l'arbitrage ce week-end. Écoute, il y a eu bien des power play dans la deuxième game, mais c'est des pénalités qui étaient méritées dans ce que je pense. Là. Donc, je pense qu'on avait également deux bons arbitres, dont Garon, là, qui a de l'expérience dans la Ligue américaine. Fait que je pense que on est assez choyé d'avoir des arbitres. Là. On a beaucoup de nouveaux visages au niveau de l'arbitrage dans la Ligue cette année, puis ça fait du bien. C'est le fun d'avoir ça, qu'il y a des arbitres qui décident de venir arbitrer des games au niveau de la Ligue nord-américaine. Donc, de ce côté-là, c'était bien. Au niveau de la game, c'est ça. Ça a été beaucoup une game d'unité spéciale. J'ai eu du puck en masse en début de game. Fait que ça, au moins, ça m'a mis dans le match assez de bonheur. Je pense que Max, il voudrait encore revoir le 2 contre 1 là, que j'y ai volé, mais je pense que c'est pour ça qu'il a dit ça, parce qu'à un moment donné, ça, je pense que c'est Marcotte qui a fait la passe sur le côté, puis ouais. Il a fait sur réception. Je pense qu'il a manqué son tir, par exemple, là, mais ça a quand même été une bonne chance de marquer de son côté. Puis les gars ont super bien joué, c'est une game un petit peu plus serrée. Ça a été 1-1 jusqu'en début de troisième, on a fait 2-1. Après ça, 3-1 sur un power play en fin de match. J'ai peut-être pas aimé la façon, je pense qu'aussi collectivement, je pense qu'on n'a pas aimé de la façon qu'on a gagné la partie parce qu'on techniquement c'était 3-1. Il restait 3 minutes à faire. Ils ont pogné une pénalité. Fait que, il restait 2 minutes au power play. Il restait peut-être 3 minutes et demie au match. C'est 3-1 pour nous. Je pense qu'on a été peut-être un petit peu trop hungry d'aller chercher un autre but. On s'est fait avoir. Ils ont scoré sur un 2 contre 1. Fait que ça a fait 3-2. Fait que là, techniquement, on est tombé dans un mode panique, veux pas. On a pris une pénalité. Ensuite, la rondelle est tombée dans mon demi-cercle. Je la trouvais pas. Fait que là, mon défenseur, je sais pas s'il a fait exprès ou pas. Je pense pas. Il a tombé dans le filet, mais veux pas, la puck est dans le crease. Fait que l'arbitre, dès que le but est déplacé, c'est un penalty shot. Fait que le Saint-Cyr, il est venu en penalty shot, puis tu veux pas, c'est un sniper. Et je pense qu'il y a une très bonne saison. Mm-hmm. Donc, j'ai été capable de bien jouer le penalty shot. Fait que ça a fait 3-2. On a fait 4-2 dans un filet désert. Fait que là, mais ensuite, on a repoyé une pénalité. On leur a laissé une chance d'aller rechercher un but en fin de match. Fait que je pense que même dans la victoire, on est content du résultat, mais je pense qu'il faut apprendre là-dedans parce qu'on s'en est sorti, mais on aurait pu se faire avoir. Ouais, ça, je pense que la semaine prochaine, là, si on regarde les matchs que vous avez, le Cool FM et Thetford. Thetford et Cool FM, Ouais. Ça, la première fois qu'on va jouer Thetford, vendredi, on s'en va chez eux. Samedi à la maison contre Saint-Georges. Je pense qu'on joue. On joue Thetford-Saint-Georges, puis le week-end d'après, on fait Thetford-Thetford. Fait que j'ai hâte. Je pense que tous les boys ont hâte. C'est de ce qu'on a vu, de ce qu'on entend, c'est le gros club dans la Ligue cette année. Si on regarde sur papier, sont très intéressants. Ça leur fait un bon challenge. Ils sont bien équilibrés dans toutes les positions. Ils sont allés chercher des acquisitions, tant l'attaque, tant la défensive. Dans le net, écoute, ils n'ont pas besoin de présentation. Là. Cado puis Marco, ils font la job. Fait que ça va être, il va falloir qu'on mette nos bottes de travail en fin de semaine pour aller chercher 4 points. Si on regarde d'un petit coup d'œil au classement, quand même, ces deux victoires-là vous ont monté en troisième position. Vous êtes derrière Thetford et Sorel. Ça va quand même bien pour vous par les temps qui courent, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire là, sur ton équipe là, un peu quand on est dans la chambre, là, c'est quoi le feeling là, que Karel Saint-Laurent a?
En ce moment, le feeling est bon. Le parc, il n'y a pas trop de neige. ouais, c'est ça. Les gars, ils arrivent, ils n'ont pas leur botte pleine de neige. Mais non, c'est le fun. Ben des nouveaux, beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de jeunesse dans notre équipe. On a rajouté des gars, Denis. On a aussi rajouté des vétérans, Félix, Félix Petit, qui, by the way, passe sous silence. Mais honnêtement, il fait du gros, une grosse job avec nous. Au cercle des mises en jeu, là, on a lui puis on a Jay Malouin là, qui sont assez solides au niveau des mises en jeu. Fait que de ce côté-là, on est très solide. Ben dans la chambre, le vibe est bon. Écoute, comme j'ai dit, on a fait beaucoup de changements avec la dernière année. Puis je pense qu'au début, c'était peut-être ça l'inquiétude au niveau là, de peut-être que ça allait partir plus slow, veut pas, parce que on apprend à jouer ensemble, c'est du nouveau coéquipier. Même un Danny Gauthier qui n'est pas dans le line-up en ce moment, il soigne une petite blessure, mais il va revenir bientôt. Fait que c'est des nouveaux gars qui se greffent au groupe, mais la chimie a tout de suite pris. On a bien parti avec une fiche de 4-1. Mm-hmm. Après ça, on a un petit slump, on a perdu 3 de suite. Fait que là, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être changer de la façon qu'on approchait les matchs. Fallait revenir à la base, garder ça simple. Puis on est arrivé à Rivière-du-Loup, on était prêt à aller chercher un gros 4 points. Fait qu'on est content de ce résultat-là, mais on sait qu'on a encore de la job à faire parce que notre jeu n'est pas parfait. Là. Mm-hmm. Good. Je ne sais pas si tu voulais rester avec nous. On voulait parler peut-être un peu des autres matchs dans la Ligue. Là. Tu pourrais peut-être commenter sur, je ne sais pas si tu as vu les games peut-être sur LNH, là, entre ça, les pratiques avec le Canadien. Non, les gars sont sur la route, là, j'ai un break. OK. Ouais. C'est quoi le score en ce moment? C'était 2-1 à New York. Là, je n'ai même pas ça. Je n'ai même pas ça devant. 3-2. 3-2 New York. Ah, bon. Ouais. Non, j'ai regardé les résumés des games. J'ai regardé Sorel contre Laval. Ça fait toujours des bonnes games. Méchant duel de goaler. C'est solide. Ouais, puis ce game-là, Leclerc l'a pas volé, là, sa deuxième étoile la semaine. Là. Ça a été toute une game. Ouais. Je peux en parler. C'était une game pour vrai, là, puis c'est le fun en plus parce qu'il y avait une super belle foule à Sorel là, pour ce game-là. Puis dans le fond, c'est le fun que c'est sûr, ça a été plus le fun pour les fans que Sorel gagne à la fin, mais c'est quand même le genre de game que je trouve c'est le fun d'avoir une foule de même parce que c'est des games que si tu as vu ce game-là puis tu n'as pas envie d'y retourner, comme tu ne reviendras jamais là, parce que il y a eu tout. Pour ceux comme on en a parlé un peu, c'est le retour de Parker, fait que il y a eu combat en début de match et tout, mais à part de ça, c'était super intense. Là. Le jeu, c'était up and down toute la game. Il y a eu des chances de marquer. Ça jouait physique, tout ça. Puis après ça, l'overtime, le 3 contre 3, c'était 2 contre 1 après 2 contre 1. C'était vraiment excitant, ça, avec. Puis après ça, il y a eu les tirs de barrage. Puis il y a aussi une coupe de beaux buts dans les tirs de barrage. Fait que c'était vraiment une game le fun à regarder. Puis le fun à décrire. C'est moi qui a décrivé sur le TV.lnh. Fait que c'était vraiment le fun comme game. Puis sinon, c'est ça. Laval a gagné. Fait que ça fait resserrer le classement. C'est bon pour Laval. Puis sinon, puis en plus, c'était leur seul match du week-end. Puis sinon, si on est pour parler des autres games aussi, la game contre Thetford, dans le fond, c'est une game jeudi soir. Ça fait un petit peu longtemps, vu que c'est une game jeudi. On est déjà rendu mardi. Mm-hmm. Mais ça, par contre, c'était Sorel a dominé la première période. Tu sais, Sorel, ça faisait 4 games de suite qu'il gagnait. Puis qui gagnait quand même relativement facilement. Là. C'était quand même des 5-2, 5-1. Puis on dirait qu'avoir pris les devants 2-0 contre Thetford là-bas, c'est comme si on aurait dit que l'équipe s'était dit comme ça va encore être facile, on l'a encore. Puis en deuxième puis en troisième, Thetford ont dominé. Là. Si c'était pas de Dominic Graham qui a gaulé sa tête pendant toute la game, là, ça aurait fini 6-7 à 2. Là. Il a vraiment été incroyable. Puis je pense que Thetford, à force de bûcher puis à force d'avoir des chances de marquer, ça a juste fini qu'ils ont fini par marquer puis ils ont gagné la game. Là. Sinon aussi à 2-2 en troisième période aussi, ça aurait eu un 5-3 puis ils n'ont pas été capables de capitaliser. Fait que ça aussi, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Là. Mais ouais, puis c'est ça. Là, je pense que surtout à Thetford, tu ne peux pas faire l'erreur de prendre les devants à Thetford puis de dire que ça va peut-être être une game facile là, parce que tout le monde le sait, gagner à Thetford, sa petite glace en plus, c'est
c'est pas mal un des endroits les plus toughs à gagner. Ouais. Non, c'est une belle place à jouer. Moi, j'aime ça jouer à Thetford, mais c'est pas facile de gagner, aller chercher deux points là-bas. Ouais. Puis si on, ben, on peut parler aussi là, de l'autre match à Thetford, tu disais, David, là, que quand on a une avance, là, c'est jamais rien de jouer. Les Cool FM a fait le premier but. Veillette du Cool FM a fait le premier but. Par la suite, là, Thetford, ben, ça a fini 5-1. Là. Mais si on regarde au niveau des tirs, là, c'était quand même très semblable. La seule différence, c'est que Thetford ont capitalisé sur leur chance. Ouais. Ben, cette game-là, je pense que, c'est comme je t'en parle un peu avant le podcast, je pense que c'est une game qui prouve un peu que Thetford, c'est un club de vétérans qui sait gagner. Dans le sens que, tu sais, c'est le genre de game que tu fais ta propre chance, puis tu capitalises sur tes chances, puis qu'un club un peu plus inexpérimenté, puis c'est quand même beaucoup de jeunes joueurs à Saint-Georges, fait que tu capitalises pas toutes tes chances, surtout contre un Étienne Marcoux qui est encore en feu début de l'année. C'est quand tu as un 2 contre 1, il faut t'en mettre dedans, sinon tu es. Sinon, tu gagneras pas. Mais c'est vrai que le score, c'est 5-1, mais c'était quand même une game serrée. Là. Thetford, ils ont quand même été chanceux. Là. Ils ont 2-3 buts déviés sur un gars devant le filet, puis tu sais, des affaires de même. Fait que, je pense qu'ils ont fait leur chance en même temps, mais je pense que le score ne représente pas l'allure de la game. Là. C'était quand même une game plus serrée. Mais Thetford, c'est tellement un bon club que des games serrées au nombre de chances de marquer égales avec les vétérans qu'il y a dans ce club-là, ben, souvent ils risquent de les gagner pareil ces games-là, justement à cause de ça. Mm-hmm. Il y a quand même des buts qui sont provenus de tous les joueurs différents là, pour Thetford aussi. Si on regarde un peu le sommaire, Alexandre Goulet, Christophe Lausier, Poudrier, Larivière, Lecourt, mais un joueur là, que j'aimerais ça, peut-être Karel, si tu pouvais nous en parler. Moi, j'ai trouvé que dans ce match-là, Alexandre Goulet, là, il était partout. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu? T'as-tu déjà joué contre Goulet à un autre niveau ou c'est la première fois que tu vas jouer contre en fin de semaine? La première fois, mais je m'en allais justement vous en jaser parce que je regarde ses highlights. Puis, ouais, pour vrai. Ouais. Ça va être un beau challenge, ça. Tous les joueurs, tu sais, Thetford a un super bon club, mais s'il y a un joueur que tu peux pas comme perdre une seconde de vue, c'est lui. Là. Contre Sorel, il a eu genre 7 chances de marquer. Là. Ça n'a même pas de sens. Là. Il a fait le but gagnant aussi, d'ailleurs, ouais. Contre Sorel. Là. Mm-hmm. Mais comme, il est rapide puis il est skill. Si, tu le vois tout de suite que si un défenseur le pogne en 1 contre 1 puis il est en train d'accélérer, tu vois tout de suite que le défenseur pogne la chienne un peu. Genre, c'est, il est vraiment impressionnant. Je voyais, mettons, et puis c'est pas juste un unidimensionnel. Là. Je regardais ses buts, la façon qu'il score. Je regarde comment il fait ses montées en 1 contre 1, comment il déborde les joueurs, mais il est capable aussi. Je pense qu'il a fait 2-3 débordements de défenseurs où est-ce que là, il s'est créé de l'espace. Mais c'est pas juste un joueur qui va déborder. Je pense que je sais pas si c'est qui le défenseur, je me souviens plus, mais je pense qu'il pourrait nous le dire. Là. Il est capable de couper au milieu aussi. Fait que non, j'ai hâte de jouer contre eux. Honnêtement, ça va être un gros challenge. Tu regardes leur line-up, ils sont bien balancés partout. Ils ont rajouté de la profondeur en défensive avec Étienne Boutet. Ils ont rajouté l'épine qui ramène un côté robustesse. Fait que, non, ça va être pas mal le fun de retourner à Thetford. Puis c'est toujours le fun de jouer là-bas parce que t'as les partisans qui sont juste au-dessus de ta tête. Fait que ouais. tu peux jaser avec eux pendant la game. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ben ça, puis juste pour finir pour Alexandre Goulet là aussi, il déborde le défenseur, là, mais en protection de rondelle aussi, je sais pas si c'est sa vitesse qui fait ça, mais c'était une couple de fois, il a fait le tour du but à un moment donné 2 fois. Je sais pas si c'est dans le premier match ou dans le deuxième, là, mais tu sais, il était capable de garder la puck quand même assez longtemps, là, puis faire 2 tours. J'ai regardé un peu où est-ce qu'il a joué. Puis j'ai vu qu'il a joué à UNB, fait que tu veux pas y arriver dans un programme de gagnant là, là-bas. Puis quand tu vas jouer à UNB, c'est parce que t'es dans le top. Là. C'est dans le U Sports, les UNB sont tout le temps top 3 au Canada. Mm. Université du Brunswick, ça? Ouais. À Fredericton.
Denis Arsenault là, qui dit dans le chat, Karel, Vladilou, vous avez gagné, mais combien de filets des heures nos gars ont manqué? Tu peux remercier ton net. Une pointe là, à Karel. Ah, oh, c'est correct, Denis. Non, c'est vrai qu'à un moment donné, je n'étais plus dans le net tant tout, puis je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas rentrer. Mais, ça se peut, honnêtement. Ouais. Ils ont pogné le poteau. Mais écoute, les bons joueurs font leur chance. C'est des choses qui arrivent. Donc, Fleury, il remercie tout le temps ses poteaux, puis j'ai fait la même chose avec Vladilou. Ah, bon. et voilà, Denis, t'as ta réponse. Donc, je ne sais pas si vous vouliez parler un peu des matchs la fin de semaine prochaine. Là, on a parlé de le Marquis Thetford, Cool FM. Mais sinon, Laval contre Rivière-du-Loup. Cool FM contre Sorel aussi, peut-être, David. Ouais, ben ça risque d'être comme Karel l'a dit, c'est la première fois que je joue contre Thetford, mais ça reste la première fois qu'il joue contre Saint-Georges cette année. Fait que ça risque d'être le fun de voir ce club-là. Il y a des nouveaux visages. Tu sais, dans les dernières années, il y a une petite rivalité qui commence à s'installer, là, surtout depuis que Sorel avait joué contre Saint-Georges en playoff en 2019. Là. Fait que ça va être le fun. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on ne veut pas mettre l'emphase là-dessus tout le temps non plus, là, mais il y a déjà Dave Hamel qui a fait un post Facebook là, comme quoi ça risque d'être une grosse game vendredi soir, là, même qu'il a invité les gens de la région là, d'où est-ce que je pense que lui, il reste. Il va avoir un autobus qui va descendre pour aller voir la game. Fait que ça risque d'être intéressant de voir ça pour l'aspect peut-être plus que Dave Hamel apporte. Mm-hmm. Puis sinon, ça risque d'être une game. C'est une game importante pour les deux équipes parce que c'est sûr Saint-Georges ne veut pas rester en bas du classement. Puis Sorel, ils veulent continuer à garder le beat avec Thetford là, qui perd pas souvent. Fait que ça va être une bonne game aussi intense. Là. Je pense que avec le sixième club qu'on a dit un peu au début qui fait pas les playoffs, puis le fait que c'est tellement important d'avoir l'avantage de la glace, puis il y a juste six clubs. Fait que chaque game est super importante. Là, fait que c'est ça qui fait que c'est le fun, je trouve. Attends, Dave, qu'est-ce que tu viens de dire? Le sixième club fait pas les playoffs? Il n'y a pas de deuxième chance en playoff. Ok, je pensais que tu m'apprenais quelque chose. Hein? Non. Non, c'est quand même, tu sais, cinquième, je veux dire, ouais, tu veux gagner la première ronde, mais je veux dire, t'as quand même, t'es pas mort. C'est ça, tu veux c'est exactement, parce que tu veux te donner une deuxième chance au cas que tu perdes la première ronde, comme quand là, notre dernière coupe, là, la dernière coupe à Sorel, tu veux pas, on bat Jonquière en première ronde en 5. Puis après ça, ils ont gagné en 3, le 2-3. Ils sont allés gagner en 7 contre Thetford, je pense. Puis après ça, on a gagné en 6. Mais tu sais, imagine-tu, là, c'est pas eux, ils se sont donné une autre chance de revenir dans le portrait. Puis même si on avait gagné en 5 en première ronde, ils l'ont pas donné en finale. Ça a été en 6, puis c'est tête. Ouais, puis ça aurait été drôle, par exemple, de perdre la coupe contre un club qui a une fiche gagnante contre eux autres. Ça aurait été la première fois dans n'importe quelle ligue que ce serait arrivé. Ça. Ouais. J'avais une question pour vous. Au début de la saison, il y a eu quand même une coupe de home and home. Là, cette semaine, là, c'est des équipes surtout qui ont joué, qui n'ont pas joué encore l'une contre l'autre, puis il n'y a pas de home and home. Là, je t'en dis même, là, parce que là, on parle David à Dave Hamel là, qui a lancé des invitations. Il y a eu une vague de signatures, tout ça. Est-ce que vous attendez un week-end tranquille ou un week-end pas tranquille là, dans la LNH? Non? C'est jamais tranquille dans la Ligue nord-américaine ou... Écoute, pour nous, on s'en va jouer à Thetford. Je pense que je ne sais pas à quoi va ressembler notre line-up, mais est-ce que nos nouvelles acquisitions vont être dans le line-up? Peut-être. De leur côté, je sais que Bellemare et Lozier vont sûrement probablement être là. Donc, ça amène de la robustesse et de la toughness. Reste à voir, nous, à quoi ça va ressembler. Peut-être qu'il va y avoir cet aspect-là, mais... On perd pas de sommeil à se demander voir si ça va brasser ou pas. Là. Je pense que c'est plus la ligue que c'était 10-15 ans. Là. Je pense que
écoute, il y a eu une vague de signatures cette semaine, puis tant mieux si les gens qui aiment ça, cet aspect-là, si ça peut les ramener dans des arénas, ben tant mieux, parce que ça va juste ramener, écoute, sans retourner 10-15 ans en arrière, ça va juste ramener un petit côté épicé, là, spicy là, à la game, puis on sans enlever le bon hockey qu'on a en ce moment, parce que, sérieux, je regarde la Ligue cette année, puis il y a des buts, là, des super beaux buts, des beaux jeux défensifs. Écoute, les gardiens de but, ça fait la job. Ça, regarde les goalers, là, les saves qu'ils se font là, cette année, c'est assez incroyable. Fait que je pense que ça ouvre beaucoup de yeux à des joueurs aussi là, qui vont se dire que c'est super beau la visibilité que vous faites, puis également les vidéos, puis tout ça, les top 5, puis les recaps des games, parce que les boys, même ceux-là qui ne sont pas dans la ligue, ils regardent ça, puis ça leur donne le goût de venir jouer. Là. Je pense que là, en parlant de gros joueurs d'impact là, qui viennent de signer dans la ligue, on peut parler d'Yann Sauvé à Laval. Là. Ben oui. Ouais, je l'ai pas mentionné, mais ouais, je l'ai vu jouer vendredi, puis comme first, tu le vois tout de suite, tu fais OK, c'est qui ce joueur-là? Là, parce que ouais. Genre pied 4, c'est un monsieur. Hein. Lead, là. Ouais, c'est oh, ça. Ouais. Surtout quand il a joué une coupe de chiffres, puis c'était lui avec Popolock, puis t'es comme OK. c'est plus grand place à bleu. Ouais, c'est ça. Mais tu le vois tout de suite, comme son instinct. Premièrement, pour son gabarit, il patine extrêmement bien. Il a un super coup de patin. En même temps, tu sais, il n'a pas joué dans le show pour rien. Mais. Puis, tu sais, défensivement, t'sais, il est solide. Puis en plus, ça prend un game. Là, il va prendre le beat en plus. Là, mais tu sais, il était solide. Puis même à l'attaque, il n'hésite pas à appuyer l'attaque. Là, c'est arrivé 2-3 fois que quand il a vu l'opportunité, il est monté. Puis en plus, c'est le genre de défenseur qu'il a le patin pour prendre cette chance-là puis être assez vite pour revenir en arrière à temps. Fait que pour vrai, c'est plate parce qu'il appartenait à Jonquière. Ah ouais. Mais en tout cas, Laval, c'est toute une acquisition pour vrai qu'ils sont allés faire. Ouais, je joue à Saint-John avec, fait que j'aurais aimé bien qu'ils viennent jouer à Jonquière. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Le hockey, c'est une business. Fait que je suis content qu'ils signent à Laval et qu'ils vont avoir du fun là-bas. Fait, je souhaite du succès. Pas trop quand on va jouer contre lui. Mais ouais. Non, c'est un de mes bons chums, puis ça va être le fun de le voir aller sur la glace puis de jouer contre lui. Yes. Donc, il y a quelques questions dans le chat. Là. Pour ceux qui nous écoutaient, on va les poser. C'est pour Karel. Mais on va aller par la suite là, à un petit quiz. Là. Le TIF n'est pas là pour faire le petit quiz, là, mais j'ai quand même une petite question pour vous autres. Le TIF est au gym, c'est ça? c'est ça. Tu te préparais pour la game là, contre Jonquière. C'est un cours de yoga qui finissait à 9h30, c'est pour ça. mais il y avait, dans le fond, Mathieu Landry qui demandait, peux-tu nous parler de ton rôle avec le Canadien, ce que tu fais au juste? Dans le fond, c'est je viens les épauler au niveau là, des pratiques d'avant-match, que ce soit la journée même ou que ce soit la veille d'un match. Ça, c'est jamais, on ne sait jamais d'avance. Là. Je parle avec Éric Raymond régulièrement pour savoir là, quand est-ce qu'il va souvent voir prendre le pouls là, au niveau des gardiens de but s'il sent qu'il y en a qui ont besoin de juste de travailler un à un. Mais je pense qu'il a apporté cette idée-là, puis lui, il aime bien ça, là, l'idée de travailler one-on-one avec un gardien de but, là, lui qui va partir le match, que ce soit Allen ou Montembeau, ou n'importe quel gardien de but, en ce moment, c'est Primo là, qui est en haut. Fait que de ce côté-là, eux, ils vont utiliser la deuxième glace au complexe, donc ça laisse un seul gardien de but durant la pratique des joueurs, donc c'est moi qui viens dans l'autre filet pour faire la pratique. Mm-hmm. Donc, de ce côté-là, c'est une super belle opportunité pour moi, puis ça leur donne un bon coup de main aussi. Fait que c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Là, on a parlé de ça, mais Denis demande, t'es un gars occupé, les filles, les abs, ton club. Je pourrais ajouter aussi que t'es entraîneur avec les gardiens là, pour Cégep André Laurando. OK, aussi. C'est pour ça qu'il dit les filles. Là. J'étais comme, ah ben ouais, je pense que Denis en connaît un petit peu trop sur ma vie. Ben, c'était peut-être B.B. Jones aussi, peut-être. Non, mais je pense que c'est parce qu'il sait que je coach les filles au niveau collégial, puis les gars aussi à André Laurando. Ouais. OK. comme ça, où c'était Baby Jones, les deux? Oui, c'est ça. Il a entendu mon entrevue avec Baby Jones.
Mais non, honnêtement, c'est très occupé. Là. Je travaille, j'ai mon 40 heures semaine avec Groupe Financier Sécurité dans mon domaine en finance. Je coach, comme on vient de dire, là, je coach au niveau collégial avec le boomerang du Cégep André Laurando, l'équipe féminine D1, le masculin D1, puis le masculin D2. J'ai également un petit club, j'ai un club de développement qu'on a bâti aussi là, au Cégep. Donc, j'ai en tout et partout, j'ai 9 gardiens de but que je m'occupe. Donc, c'est super fun. C'est une première expérience pour moi avec autant de gardiens. Tu sais, j'avais été coach de gardien de but au Cégep de Saint-Hyacinthe pendant 2 ans. Mais là-bas, c'était maximum 3 gardiens de but parce qu'on avait juste une équipe. Et là, avoir plusieurs gardiens de but, gérer plusieurs personnalités. Elle veut pas les gardiens de but, on le sait, hein, comment ils sont. Ouais, c'est ça spécial. on est unique. c'est ça. Non, c'est cool. J'ai une super bonne entretien. Une bonne relation avec chacun d'eux. Là. C'est des jeunes de 17 à 20 ans. Fait que ça, j'aime ça parce que ils veulent apprendre, ils veulent travailler fort. Puis ils veulent pas, j'ai pas un si grand écart d'âge avec eux. Là. J'ai 30 ans. Fait que ça veut pas. Je suis capable de leur amener une approche plus grand frère, style mentor. Là. Fait que ça, j'aime bien ça. Je trippe. Yes, sir. Donc, on va y aller là, avec le petit quiz en terminant. Donc. Je vais chercher mon... Ça va être un petit « qui suis-je ». Un petit « qui suis-je ». C'est pour les personnes qui suivent la Ligue peut-être depuis un certain temps. Là. Fait que je ne sais pas si, Karel, tu as des connaissances en histoire de la Ligue nord-américaine. Là, mais sinon, c'est peut-être pour, je vois Denis, Raymond Duval aussi qui sont là dans le chat. Mm. Mais « qui suis-je ». Je suis un ancien défenseur qui a notamment joué pour les Mighty Ducks d'Anaheim et les Pingouins de Pittsburgh. J'ai disputé 146 parties dans la LNH et j'ai terminé ma carrière avec la mission de Sorel-Tracy en 2006. Moi, je le sais, je vais laisser le monde dans le chat. Ouais. Déjà participé aussi à un World Junior. Je joue pour les Flames aussi, si je ne me trompe pas. Non. Il a joué aussi avec les Red Wings. Les Red Wings, les Oilers. OK. Les Flames, ouais, il a joué avec les Flames. Il a joué avec beaucoup d'équipes. 49 parties avec les Flames. OK. Une partie avec Ottawa, 16 avec les Sharks aussi. Il a joué avec les. Il a commencé dans la LNH, là, qui n'était pas la LNH, c'était le Sénat en ce temps-là, là, en 2001 avec les Chiefs de Laval. Là. Il n'y a pas de réponse encore dans le chat. Il n'a pas joué à Rivière-du-Loup. Il a joué 3 saisons avec les Chiefs. 2 saisons et demie avec les Chiefs. Une demi-saison avec la mission de Saint-Jean. Puis 2 saisons avec Sorel-Tracy. C'est pas Link Gates. C'est pas Patrick Côté. C'est pas un gars qui est connu. Pour être un homme fort. Ah, je vois ma petite réponse là. 2 réponses. Bobby Dallas, Vincent Deblois et Nicolas Bourdeau ont eu la bonne réponse. Oui. Il aussi est entraîneur à Sorel. Oui. Bobby Dallas. Donc Félix Dallaire aussi qui dit Bobby Dallas. Et j'ai travaillé à Châteauguay aussi, là, mais il y a un beau cadre de Bobby Dallas dans l'aréna quand vous rentrez au centre multisport à Châteauguay, là, quand vous montez les escaliers. Donc, sur ce, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci à Karel là, de t'avoir pointé là, comme ça un peu à l'improviste. Correct, ça. Quand vous voulez, les boys, ça me fait plaisir. Je me suis dit qu'avec le TIF là, qui était disponible ce soir, ce serait un beau petit cadeau, une belle petite surprise pour les fans. Puis justement, là, parlant de fans, là, j'avais lancé l'invitation la semaine dernière là, vers la fin. S'il y a des gens qui veulent participer à écrire des articles, ajouter un petit peu de contenu à l'entour de la Ligue, les deux gars là, de 100% Marquis de Jonquière, Max Desbiens et Seb Tremblay,
ont déjà écrit leur premier article là, sur la sauce du hockey, les résumés de parties jusqu'ici. Il y a aussi Max Duquet du Cool FM là, qui est sur la description des matchs, qui va faire un wrap-up là, de tous les matchs à travers la semaine. S'il y en a d'autres là, qui veulent peut-être là, des petits topos là, sur des joueurs, un peu d'histoire, donc je lance à l'invitation. L'invitation, écrivez-moi en privé ou la page de la sauce du hockey. Karel aussi, si tu veux, si tu as des talents d'écriture, si dans ton horaire là, de préoccuper. Ouais. On va se partir un Players Tribune de la Ligue nord-américaine. Ben, j'aimerais ça pour vrai, un Players Tribune. Là. Si on pouvait faire un affaire comme ça, ça serait éclairant, honnêtement. Je suis sûr qu'il y a des boys qui embarqueraient dans le projet, honnêtement. Ça peut être quelque chose qui est très intéressant, mais c'est cool là, que vous. Vous avez fait l'appel aux fans là, pour aux gens là, de pouvoir écrire des articles. Je l'ai lu justement l'article là, des boys de Jonquière. Puis c'est super bien écrit. Puis ça me surprend pas parce que c'est des gars qui sont super intenses puis super dédiés là, au niveau des marquis. Là. Je pense que c'est eux qui ont la page 100% fans des ouais, marquis. Exact. Donc lâchez pas les boys. Puis petit message aux fans des marquis. Là. On veut vous voir en grand nombre samedi. Là. Yes, et quatre paires de billets là, qui sont à faire tirer sur la page 100% marquis. Donc, 8 billets au total. Sébastien Wolf Tremblay qui l'a écrit dans le chat. Là, allez faire un tour. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté. Merci Karel. Merci David. Je lance un petit rappel par l'article aussi. Là, un petit article là, que je vais sortir demain sur... le pourquoi là, de l'équipe de Saint-Jean, finalement, le projet là, a été abandonné là, par le promoteur Vincent Vallière. Là. Donc, je suis allé demander un petit peu plus de détails. On va avoir demain un petit article là-dessus. Donc, vous irez voir le sourcehockey.com. Donc, sur ce, merci, messieurs, et faites attention en retournant à la maison sur la route. Merci, on va faire attention là. Ciao, ciao. Ciao. Merci.